Bah, j'ai plus qu'à retrouver le Kralis. Elle va être super en colère que sa clé ait disparu. Je sais pas, elle a rien capté, je suis passé à côté d'elle. Ah, ça a l'air d'être là. Telle pionce. Oh, c'est une grosse blague. Qu'est-ce qu'elle... Oh, putain, j'arrivais pas à me cacher. Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Coucou Thierry. Je vois son gros marteau plein de sang. Sors de là? Qui a gueulé ça? Moi j'ai hâte qu'on aille à l'abri, mais je pense qu'on n'y ira pas avant d'avoir le masque, je pense. Au complet. Pense que ça doit vraiment être le but final. Putain, j'entends des bruits de ouf, ça me fait peur. Il est où le truc? Là. Yes, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. La grosse nonne est méchante. Pas spécialement, en tout cas, elle nous attaque pas. Par contre, elle appelle Sœur Madeleine quand elle nous voit. Après, elle nous attaque pas, quoi. Bon, elle fait partie, en gros, du complot, mais... C'est pas elle qui nous tartine la figure, quoi. J'ai fait un détour de ouf. Ah là, je suis pas discrète avec le truc. Bonjour! Salut! Lui, j'ai hâte de savoir qui c'est aussi. Genre, dès qu'il me voit, il se cache et tout. Pom, pom, pom. Comment c'est possible? C'est juste pas possible hein, qu'elle soit là. Hein. N'importe quoi. Mais tu mets 10 plombes à venir. Un verre de Blue Lagen. Oh là 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 là, madame, vous êtes pénible. C'est moi l'abomination? Eh ben, c'est pas très gentil. Oh, mais il y a une échelle là. Il y avait une échelle avant? Quoi, quoi, quoi? Putain, j'étais bloqué dans rien. Kiki qui gratte dans le carton. J'aime bien que t'arrêtes. Hop. Yop. Ok. Alors. Bon bah c'est parti, hein. Chapitre 2 du coup. Alors, ça va vers quoi? Attendez, je comprends pas ce que je regarde là. Course souterraine. Je comprends pas ce que je regarde. Ah, c'est dans la pièce en feu? Ah, c'est bien possible. Oh la vache. Heureusement que t'es la Banshee parce que je comprenais pas.
Je pense que je suis le plus vieux des gars ici. La note diabolique n'a aucune pitié. Elle aime bien nous humilier avec ses masques. Il semble que si on lave et plie tous les vêtements qui tombent du trou, cela nous apporte de la nourriture, bien que nous n'ayons presque toujours faim et que nous devons chasser les animaux. Est-ce que quelqu'un viendra nous sauver? Le garçon aux mains bleues est parti, mais il n'est pas revenu. Ah, oh, mais je suis bête! Mais le garçon aux mains bleues, c'est celui qui nous laisse tous les indices? À chaque fois, c'est une trace de main bleue où on a les objectifs et tous les indices. Mais oui, je suis bête. Ouais, ça doit être la trappe, hein. Heureusement que vous êtes là, j'avais pas compris que c'était la trappe au début. Hein. Et ouais, on a un pote du coup, ouais. À moins que ça soit nous, mais. Je pense qu'on a un pote, ouais. Oula, alors je sais pas où il est, mais je l'ai entendu. Vous voyez ces traces-là, là. Ah bah non, il faut que je reste ici en plus. Oh, mais elle me casse les bonbons. Ouais, c'est là. Elle va pas venir quand même. Ça serait terrifiant qu'elle descende à l'échelle derrière moi. Non, c'est bon? Ok. J'ai un peu peur. Oh! Ok, on est vraiment dans les souterrains. C'est cool par contre, on voit plein de nouveaux endroits. C'est quoi ça? J'arrive pas à comprendre dans quel sens ça se regarde. Comme ça. Petit bonhomme qui est en train de danser. Putain, je l'entends même là quoi. Mystérieuse note, vous en sortez très bien. Vous aurez bientôt récupéré tous les morceaux de masque. Cette fois, il faudra trouver la sortie de ce labyrinthe pour recevoir votre récompense. Serez-vous assez rapide? Attendez. Comment ça, le labyrinthe? Ouh là là, il y a un bouton. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. 6, 2, 93. Alors, le laboratoire. Il y a un laboratoire au premier étage du bâtiment principal, mais il est fermé. Pas d'inquiétude, j'ai noté le code quelque part. Une fois à l'intérieur, suivez les instructions, mais attention, faites preuve de précision ou tout explosera. Potion qui donne l'agilité d'un chat. Dans les tunnels, vous trouverez un plan et une gourde. Apportez-les au monte-charge, ainsi que le liquide vert obtenu au laboratoire et une brosse métallique. On dirait que des toilettes du bâtiment principal sont bouchées, allez voir. Une fois la potion féline préparée, retournez au tunnel et utilisez-la pour atteindre le morceau de masque à temps. Attendez, j'ai envie d'essayer ce que ça donne sans quand même, juste par curiosité pour voir ce qui nous attend. Genre ça va être pour aller plus vite. Ah ouais, c'est vraiment la labyrinthe quoi. Ouais, putain, j'arriverai jamais à temps, c'est ça. Parce qu'on n'a pas la potion. Oh là là! Ah ouais, mais il me faudrait. Ah bonjour, vous êtes mort? Gourde rouillée. Ah bah au moins j'ai trouvé la gourde. Il me la fallait, je pense, de toute façon. Ah ouais, c'est immense! C'est grand de chez grand. Imaginez! Genre, je dois me repérer et en plus il y a la nonne qui me court après. Il ferait pas ça quand même. Ah oui, alors attendez. Il va quand même falloir que je trouve le chemin de sortie pour. Bah, pour sortir. Genre. Pourquoi? Bah, monsieur, bah non. Bah. Genre, il y a un mur invisible quoi. Mais non. Mais monsieur. Pouette, 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 pouette. Ok. Et là en fait ce que je ne sais pas encore, c'est que je suis bloqué jusqu'à la mort ici. Parce que les grilles sont refermées. J'ai
J'espère pas. Non, c'est bon. Ok, de toute façon, j'avais besoin de la gourde. Dans les tunnels, vous trouverez un plan et une gourde. Ah mince, du coup, il faut que je trouve un plan aussi. Il va falloir trouver un plan. 6, 2, 9, 3. C'est pas ça le plan? Je vois pas ce que c'est, donc... Déjà, la gourde, on peut peut-être la laisser là. On va faire un petit soin. On va passer par là, cette fois. Ah oui, c'est vraiment grand. Hein. Ah, ah, ah. Recette de potion féline. Ah, bon, bah, il me fallait la recette. J'ai la recette. C'est marqué quoi, là? Ouais. Est-ce que si je retourne en arrière? Ah, merde. Évidemment. Ah, où est la sortie? J'entends l'autre marcher. Et je crois qu'elle est loin. Ah, c'est bon. Putain, ça me fait peur. Ok, au moins, j'aurai tous les objets. Vous savez quoi? On va aller chercher le plan. De toute façon, ça s'ouvre qu'ici à chaque fois. J'entends l'autre en plus. Bon, je suis ressorti, mais j'ai pas le plan. Ah mais non, je suis bête! Je suis fatiguée. Dans les tunnels, vous trouverez un plan et une gourde. Le plan, c'est la recette. Je pense, hein. Ça, du coup, c'est le masque? J'ai un doute en vrai. Non mais si, je pense que c'est ça. Hein. Je pense aussi. Oh, je suis bécasse. Bon alors. Allons au laboratoire. Le code, on a dit que c'est 62-93. 62-93. Oula. Alors, on va retourner. On va retourner dans l'autre bâtiment. La gourde. Oh là là. Ouais, je suis une gourde, ouais. Je suis une vraie gourdasse, ouais. Mais j'avoue, ouais, c'est un peu trompeur quand même. Ça fait plusieurs fois que je me fais trigger par ces fleurs bleues, mais c'est rien du tout en fait. Non, mais la gourde, le récipient, pas toi. Oui, eh ben. Regarde, j'ai pas compris. Quoi, la gourde? Le récipient, pas toi. Tu me fais rire. C'est pas moi la gourde. Ah, c'est là. Pour la popo. Je crois que j'en ai besoin après, il me semble, si j'ai bien compris. D'abord, faut faire le liquide vert. Ouais, c'est ça en fait. Il faut que je mette tout dans mon charge après. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le ramener maintenant, mais je pourrais le ramener après. 60. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? 2. 93. Ouais! Oh! Il y a plein de trucs. Contenant à potion. Ça, c'est la ventouse pour nettoyer les water. Mélange de labo. Extracteur de viande. Fleurs parfumées. Fleurs de sauge. Pommes de pin. Alors, il faut du mercury. Du... C'est quoi ça? Du splendor.
Et des yeux, je pense. Petit pied? Comment ça, petit pied? Urine. Bile. Extracteur liquide. Ah, j'ai cru que c'était marqué extracteur à bile. Sang. Boyau, os, yeux. Ah, les yeux sont là. Et du coup, il faudrait que je prenne d'abord du mercury. Du mercure, je pense. Et du splendor. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une plante. Fougère. Pomme de pin. Ah, il va me falloir la traduction de splendor, du coup. Et coucou, tortue de mer. Et mercury, petit pied, yeux, os, boyau, sang. Ah bah mercury, là, je suis bête. Ok. La bile. Mais c'est quoi l'extracteur à viande? Il faut un ingrédient du laboratoire. Non mais genre elle peut rentrer là quoi. Non. I can hear your parents crying from here. Don't worry. I'll take care of you as you deserve. J'ai voulu fermer la porte. J'ai voulu sortir et fermer la porte. J'ai enfermé la porte devant moi. Je dois être moi. Je dois être moi. Je dois être sage. Je suis moi et je serai sage. Je vais lui faire exploser la poupée à la gueule. Ah non, il n'y a plus la poupée. Chien. Oh, il y avait ça avant. J'ai fermé la porte. Va nous extracter notre bile. Ah. C'est ignoble. Ouh. Ouais. Ouh, ça rame. Je vais. Pour de vrai, je vais pas arrêter le live star, je pense, les moignons. Je suis éclaté. Je suis déjà en train de bailler aux corneilles. Je tiendrai pas jusqu'à minuit. Attendez, il y a un truc que je... Mais... que je voulais tester, c'est l'échelle, là. Ça sert à rien, ou... Ah non, mais c'est pas une échelle. Oh, autant pour moi, c'est pas une échelle. J'ai rien dit. Bouit, bouit, bouit. Ah, t'as réouvert la porte dessus. Non, non, c'est moi qui ai ouvert la porte. Je suis une débile. Enfin, en tout cas, je l'ai fermé. Non, enfin, je l'ai fermé devant moi. Ah, est-ce qu'elle l'a réouvert après? Je sais pas. Où est le labo? Par contre, je sais pas ce que c'est le Splendor. Il était où le labo? Là. Attends, en plus j'avais... Ouais, mais la porte, elle bug. L'aide. Alors, bon, déjà, on peut mettre le mercure, peut-être. Non, pas l'urine. Mercure. Extracteur liquide. Le mélange est incorrect. Bon, bah, là-dedans, là. Voilà. Lâché. Merde. La plante, là. Fleur de sauge fougère. Je dirais que c'est la fougère. Ça y ressemble un peu. Quelque chose est déjà en train de bouillir. Ah mais ah d'accord, faut le mettre sur extracteur à plantes. Ok. Ok ok. Bon, je fais un peu de bruit. Hein. Et maintenant il faut des yeux. Tac. Et ça je mets ça dans l'extracteur à viande.
C'est pas moi. J'ai tout fait péter. Bon, c'était pas la fougère, je pense. C'est barré? Ah ouais, ça aurait pas été drôle quand on se plante pas. Pourquoi j'ai une lumière rouge là? Oh ouais, c'est une autre plante hein. Oh putain, elle est juste là. Pas me voir quand même hein. J'aurais bien voulu fermer la porte par contre. Oups. Juste voir si elle se ramène pas à cause du bruit de la porte. Bon. Le mercure, du coup. Heureusement que ça n'a pas fait exploser les ingrédients. On va essayer cette fois. Ouais, la fleur de sauge, vas-y. Voilà. Et les yeux, on avait dit. Ah merde, où sont mes yeux? Où sont? Où j'ai? J'ai perdu mes yeux. Là. Oh, potion féline est prête. Yes. C'est un contenant. Ah oui. Non, potion. Ok. Donc. Il faut que je ramène ça. Ouais, c'est par là. Hein. Falloir ramener tous les ingrédients du coup ici. Oh mais non, mais c'est chiant. Voilà. Et maintenant, faut aller chercher le plan. Et la gourde. Mais non, mais c'est pas là. Attends, je suis perdu. C'est dans le premier bâtiment? Oh, ça me fait un sacré trajet en fait pour venir ici. Poète, 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 poète. Ah, maintenant faut que je redescende. Je cherche des escaliers. Voilà, retourner à la pièce qui crame. Repasser par la trappe. Heureusement que t'as deux mains. Non, je veux pas prendre deux objets en même temps. C'est nul. Bon, bah la gourde. C'est mouillé. Tais-toi un peu. Et maintenant, on repasse une dernière fois ici. Il reste plus qu'à prendre le plan. Eh ben. Il fallait que j'aille déboucher des chiottes parce que je vois une brosse à une brosse. Alors c'est pas une brosse à chiottes, mais je vois une espèce de brosse sur le truc. Il me manque encore un truc. Voilà, nouveau plan disponible. Alors, il faut que je retourne encore du coup une fois. Je me demande pourquoi le stream est vachement silencieux. T'avais coupé le son, c'est ça?
Alors, dans les tunnels, vous trouverez un plan, une gourde, apportez-les au moment de charge ainsi que le liquide vert obtenu au laboratoire et une brosse métallique. On dirait que les toilettes du bâtiment principal sont bouchées, allez voir. Ok. Non, j'avais crash. Ah mince. C'était pas là. C'est si grand. C'est là. Ah oui, il est là. Ventouse. Qui est autant pour moi. Alors, les chiottes. Pas cela. Oh, c'est cela. Brosse métallique. Oh. Yeah. Eh ben, il n'y a plus qu'à jeter tout ça dans le truc. C'est un peu dégueulasse quand même, hein, on va pas se mentir. Et pourquoi j'ai donc besoin d'une brosse pour faire une potion de félin? On va m'expliquer. C'est moi ou je t'en en haut? J'aime pas quand elle rigole comme ça. Fait flipper. Hein. Non, mais c'est pas cette sortie que je veux. Oh, mais je suis perdu. Je cherche l'autre sortie, moi. Mais je sais pas, je suis perdu. Perdu, non. C'est là. Je trouve que tu passes devant la sortie. Ah, oh, mais c'est à côté du lapo. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ce truc rouge qui bouille? Ouais, non, mais je crois que ça bug. Voilà, merci. Ok. Ouais, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Casse les pieds. Quelque chose est monté avec le... Ah oui, non, oui, c'est normal. La dernière fois, ça, j'étais en mode... Ah, mais quelque chose est monté dans le monde de charge, vous imaginez? Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un truc au-dessus et tout. Non, non, c'est juste pour vous dire que l'objet est prêt. Arrête de rigoler comme ça. Ça suffit. C'est un gâteau. Elle peut pas repartir dans l'autre sens. Ah, si, je crois. Je l'entends dans mon oreille gauche, donc avec un... Avec un peu de chance, elle est partie dans le sens. Potion féline. Miaou. Et ben du coup, c'est reparti pour... Par contre, si je rate le labyrinthe... Est-ce qu'il faut que je retourne chercher? Est-ce que ça va faire comme la poupée et que ça va être insupportable? Genre, faut que je retourne chercher tous les ingrédients pour refaire la potion et tout et tout. Là, le problème, c'est que, ok, je vais avoir assez de temps. Mais je connais toujours pas le chemin qu'il faut prendre. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que, il est là l'objet que je dois prendre. Ok? Ok. Seul indice que j'ai, c'est que ça a l'air d'être un chemin où il faut monter. Mais ça m'aide pas plus que ça. Hein. Bon. Ok, ça s'est fermé, pourquoi?
si j'ai fini la potion. Ah ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Oh. En fait, je suis obligé de trouver le chemin d'abord. Hein. Comment je vais faire pour trouver le bon chemin? Ah, c'est celui-là! Ok, attendez, attendez. Plus personne ne bouge, il faut absolument que je retienne le chemin. Alors. Il y a un espèce de truc orange. Sauf que maintenant, il faut que j'arrive à retrouver le chemin de retour. Ah, il y a un truc orange. Il y a un truc orange, ouais. Ça m'aide pas plus que ça. Ouais, mais après, comment je fais pour le retrouver, quoi? Tout à l'heure, j'étais passé à côté de ça. Ah, j'étais passé dans quel sens? Oh, je sais plus, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je sache dans quel sens. Que là, si j'arrive comme ça... Vous voyez, déjà, c'est pas le bon chemin. Si je vois ce truc là, mais après tout dépend de quel côté j'arrive, mais si j'arrive comme ça, il faudrait que je passe à gauche. Et après encore à gauche. Tac, tac, et là c'est là. Quelle angoisse! Ouais, je pense qu'il faut retenir ça. Et si je passe devant ça, bah faut aller tout droit quoi. Je sais pas si ouais. Oh là 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 là. On va essayer sans la gourde pour le moment, on va juste essayer de retrouver le chemin. Alors, passons par là. Là, je descends ici. Je suis pas sûr du chemin que j'ai pris. Ah si, on est passé par là tout à l'heure. Et bah là c'est là. Bah, ça fait loin quand même comme chemin. Il y a peut-être un truc plus court. En fait, il faudrait passer devant le squelette. Oh là 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 là. Ici peut-être. La vache, je l'ai vachement bien entendu. Hein. Ok. Non. Genre, les portes viennent de se fermer derrière moi. C'est une grosse blague. Genre, elle vient dans le navire. Oh, je suis choqué. Elle me semblait bien, moi, qu'elle descende les échelles. Hein. Ah merde, elle est dans la pièce où je dois aller, du coup. Je peux passer devant elle ou ça le fait pas trop? Bon. Oh, merci beaucoup pour les beats. Merci Navemidi. Alors attendez. Attends, j'espère qu'elle va pas redescendre par contre. Vas-y, on retente. Sans la potion encore. D'abord essayer de trouver le chemin. Bon, on sait qu'il faut que je descende. Si j'essaye plutôt à droite, là.
Il faut trouver le chemin le plus court, hein. Là, ça descend. C'est peut-être pas mal. Donc droite, gauche. Gauche, disons. Là, je sais pas où je suis. Ah si, là, je crois que je sais où je suis. Ah, c'est juste là. Eh, hey, c'est pas mal comme chemin, ça. Et c'est juste là, là, après. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, j'espère que je vais pas me planter. Donc là, à gauche. Non, non, non. Ok, c'est bon. Yes. Et ben voilà. Lâcher objet. Trop forte. Bon bah voilà. On a trouvé le deuxième morceau de masque. Ouais, c'était pas mal le labyrinthe, ça changeait un peu. Bon, c'était un peu la merde au début. Putain mais... Oh, il est terrifiant ce portrait. Et voilà. Bon, par contre, bah, je suis au regret de dire qu'on a déjà terminé, quoi. C'est allé un peu très très vite. Troisième bout de masque. The Mage Challenge. Et le globe retourne vers d'autres cieux. Pouit, pouit, pouit. Et du coup, bah voilà, on a fait trois chapitres, quoi. Ils étaient un peu triviales quand même, hein. Ils étaient cool, hein, mais on a fait les deux. On a fait les deux en 2 heures, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu court quand même, hein. C'est dommage. À la limite, je serais bien allé voir s'il y avait des petits challenges en plus. Narbal, ma connexion est en papier mâché. Ok, voilà. Chapitre explosion dans les hauteurs. Ah non, ça on a déjà fait. Le défi du labyrinthe. Et le rituel satanique. C'est marrant, ils sont pas dans l'ordre. C'est rigolo ça. Secret la buanderie. Ouais, donc tout ça, c'est ce qu'on peut pas faire. Saint Graal. Il y a vraiment un truc qui s'appelle le Saint Graal. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qu'on peut faire? Peut-être ça là. Soyez un enfant bien élevé et sage comme le souhaite Sœur Madeleine. Comment je fais ça? Ah mince. Basket à haut risque en mode cauchemar, marqué 9 points depuis le milieu du terrain. What? Reste dans la pièce, c'est peut-être ça. Genre, faut rester longtemps? Capitaine Deagle Junior, marqué depuis le milieu. Ah, on peut aller marquer des points. On va essayer. Bon, bah écoutez, c'était cool, mais un peu triste que ça soit déjà fini. La prochaine fois, on le fera en mode normal, hein. Ça nous prendra déjà peut-être un petit peu plus de temps. Mais ils étaient cool, mais j'avoue que je peux pas m'empêcher d'être un peu triste quand même. C'était fort court alors qu'il y avait deux chapitres. Je me suis dit, allez, deux chapitres, ça va nous faire deux lives. On les a finis en un live, les deux. Ah, c'est quoi ça? C'est des saucisses? Ou c'est du caca? Non, c'est du saucisse, je crois. Et ça, c'est de la soupe? J'ai un doute. J'ai vraiment un gros doute. Je suis pas sûr que ce soit des saucisses en fait. Sais pas si c'est des saucisses. Ok, bon, je reste dans ma chambre. Pot de chambre. C'est bizarre. Forcément que c'est de la merde. Merde.
Mais du coup, je reste pendant combien de temps? C'est les merguez. Je suis trop naïve, moi. Des merguez. Elle est terrifiante, hein. Ah, j'ai un deuxième tiroir que je peux ouvrir dans la chambre? Ah, la potion féline, on peut l'ouvrir maintenant. Ah, c'est intéressant, ça. C'est cool qu'ils nous laissent comme ça les objets à disposition sans qu'on ait besoin de les refaire et tout. Bon, bah, je sors pas, je suis sage, hein. Je suis sage. Voilà, je dois être sage, je suis moui, je serai sage. Bah voilà, je suis sage. Jamais vu ça! Il y avait une échelle? Bon, et je peux pas ouvrir la porte, hein, mais. Il y avait une échelle avant? Oui, on avait une. Putain, moi, j'ai jamais pensé à aller voir. C'est bizarre. Du coup, faut que j'attende combien de temps? Vous êtes sûr que c'est ça? C'est genre, faut vraiment que je reste dans la chambre? Ça va être long, non? 1 heure IRL? Oh non, quand même! C'est super long, 1 heure. Ah, mais ça me dégoûte, du coup. On dirait de la soupe en plus à côté. Mais du coup, ça doit pas être de la soupe, si. Elle veut qu'on soit sage. Ouais, mais pas en combien de temps? On n'a pas des anecdotes en attendant. Moi j'en ai une, mais elle est pas rigolote, elle est flippante un peu. C'était. En plus j'ai oublié de la raconter en live parce que vraiment ça m'a un peu perturbé. Et du coup bah j'en profite pour vous en parler maintenant que ça va un peu mieux. C'est rien de grave, attention. Mais genre il y a. C'était quand? C'était dans la semaine là, peut-être début de semaine je crois. Je stream. Et pendant le stream, en fait, j'entends donc mon copain voilà, va se coucher assez tôt. Il va se coucher vers 22h30, 23h, ce qui se lève plutôt tôt le matin. Et des fois, quand il n'arrive pas à dormir dans le lit, parce qu'il a un peu du mal à s'endormir des fois, il vient se coucher dans le canapé. Et d'un coup, il arrive à s'endormir. Donc ça lui arrive de temps en temps de faire ça, quoi. Quand vraiment, il n'arrive pas à dormir. Et là, du coup, je suis en stream. Et moi j'entends quand même les bruits, même avec le casque et tout, même si je joue, même si je parle avec vous, j'entends les bruits quand même un petit peu. Et c'était 23h passées et je l'entends sortir de la chambre. Et je me dis, ah bah il va peut-être aller dormir dans le salon. Et vu que le salon est à côté de moi, je me dis, bon bah il faudrait que je fasse gaffe en arrêtant le stream de pas faire trop de bruit quand je sors du bureau. Voilà. Le stream se termine. J'ouvre doucement la porte du bureau en me disant. Je suis pas sûr qu'il est dans le salon, mais je me dis, il y a des chances qu'il soit sur le canapé, quoi. Et j'entends là un gros bruit de respiration, genre. Comme ça, à peu près. Et je me dis, ok, il est sur le canapé, quoi. Faut que je fasse gaffe. Je re-rentre dans le bureau et je me dis, bah non, il faut quand même que j'aille me changer et tout, quoi. Je ressors du bureau, je m'approche du canapé pour aller vers les autres pièces. Et là, je me dis, j'ai un doute. Et je m'approche du canapé et je fais. Il n'y a personne sur le canapé. Il est pas sur le canapé en fait. Sauf que j'ai bugué. Mais vraiment, j'ai bugué. Et sur le coup, j'ai pas rigolé du tout parce que je me suis dit, attendez. J'ai vraiment entendu un vrai bruit de respiration. Et je suis sûr que je l'ai pas rêvé ni rien. Je suis sûr. J'ai vraiment entendu un gros bruit de respiration. Et j'ai bugué de ouf et j'étais en mode. Et j'ai pas pu l'entendre de la chambre, quoi, c'est pas possible. Bah, ça faisait vraiment genre. Ou. Enfin, non, pas comme ça, mais là, je le fais mal, mais. Je sais pas, un bruit de respiration. Quelqu'un qui respire un peu fort, genre. Comme ça. Un peu comme ça. Je le fais mal, mais c'était un peu comme ça. Et c'est vrai que ça aurait pu être complètement la respiration de mon copain, parce que ça faisait vraiment. Genre, un mec, ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Du coup.
Du coup, voilà, je m'aperçois qu'il est pas là. Je me dis, ok, j'ai entendu la respiration. Il est pas dans le salon. Parce que moi, j'ai entendu la respiration. J'étais sûre et certaine qu'il était dans le salon. Parce que je l'ai vraiment entendu fort, la respiration. La chambre, elle est quand même un peu loin. J'aurais pas pu l'entendre. En plus, c'est la porte de la chambre, elle est toujours fermée et tout. J'aurais pas pu l'entendre aussi bien. Et quand j'ai vu qu'il était pas sur le canapé, vraiment, j'étais pas bien. J'ai bugué, j'ai fait. C'est quoi ce bordel? Du coup, je retourne dans le bureau et tout. J'étais pas à l'aise, j'étais vraiment pas bien. D'habitude, ça m'arrive pas trop de ce genre de trucs bizarres, c'est plus à mon copain que ça arrive. Mais là, vraiment, j'étais pas bien. Et je finis par aller me coucher en me disant, bon, j'ai dû rêver et tout, mais j'étais vraiment pas sereine. Et du coup, j'entendais des bruits. Alors, ça peut être les chats, hein, mais j'entendais des bruits des fois. Et je me disais, putain, mais il y a peut-être vraiment quelqu'un dans l'appart. Vraiment, j'étais pas bien. En plus, vous savez que ça me terrifie, ce genre de truc, quoi. Le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un chez moi, ça me terrifie. Le lendemain, alors les événements genre du lendemain et du surlendemain, on peut mettre ça carrément sur le coup de la paranoïa. Genre, j'avais l'impression de ressentir une présence. Genre, des fois j'étais sur mon bureau et je voyais un truc, vous savez, vous voyez vraiment une silhouette ou une ombre ou un truc passer, mais vraiment dans le coin de votre œil. Et du coup, je me retournais d'un coup et vu que j'étais encore flippé par le coup de la respiration, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un. Des fois j'entendais un bruit, ça m'arrive d'entendre les voisins quand ils font tomber un truc et tout. Mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était dans l'appart. Mais bon, les événements des 2 derniers jours, voilà, il y a eu des petits trucs comme ça. Je mets ça sur le compte de, voilà, sur le compte de, nyeh, on sait pas trop parce que ça peut être juste moi qui étais stressé, vu que ça m'avait fait flipper cette histoire. Mais la respiration, je vous jure, j'étais comme ça. J'étais en mode, j'étais pas bien. La respiration, ça m'a trigger parce que vraiment, autant les 2 derniers jours, c'était peut-être juste moi qui paniquais. Autant la respiration c'est trop bizarre. Et depuis, bah là ça s'est calmé. Là depuis, ça s'est passé début au milieu de semaine. Après du coup il y a eu le week-end donc, bah Yoann était tout le temps avec moi et c'est pas re-arrivé depuis. Mais je vous jure, j'étais pas bien. Et j'en ai parlé hier soir parce que j'avais oublié de lui en parler aussi parce que vraiment ça m'avait mis tellement mal que du coup j'en avais pas parlé. Et j'y en ai parlé et tout et il m'a dit non mais il y a un truc dans cette maison c'est pas possible. Voilà. Ok, je ne bouge pas. Cet anglais dit qu'il ne faut pas bouger quelques minutes. Ok. Je suis éclaté là. C'est paranormal, ton message est invisible. Ah, parfait, tu dois être sage, ne l'oublie pas. Sage comme une image, succès du verrouillé. Et ben voilà. Ah bah voilà, on a eu l'achievement. Nickel. Ah, oh, il nous a dit parfait. Vous avez vu? Du coup, maintenant, si elle me voit, elle va plus me taper sur la gueule. Madeline? Madeline? Tu m'aimes maintenant? Non? Non. I'll make sure to tighten your mask until it hurts if you keep doing this. Bon bah non, du coup.